السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, il y a une chapitre comment Allah subhanahu wa ta'ala les peut détruire Gog et Magog. Je disais qu'Isa alayhi salam avec ce l'homme, je coulais au montant Sinaï. Ça veut dire Gog et Magog pour cette les autres. Bah, là-bas, vous connaissez qui sont le montant entièrement. Et, bah, là, je, normalement, je peux penser quand je peux, comment dire, quand je peux sortir de la terre, je peux faire une façade extraordinaire. Ça veut dire, Dajjal, lui, ce fitna, plus grand fitna. Dajjal, ce fitna, ça veut dire plus grand fitna. On est depuis Adam Alessandre jusqu'à Priyama. Ce fitna, c'est surtout, concernant, lui, pour faire du monde, sous petit iman, et al, vers kouf, et accepter lui-même comme bon Dieu. Gog et Magog, je te fitna, il y a une autre qualité, lui. Je te fitna, je peux tuer du monde, je peux massacrer du monde, c'est-à-dire, pour une fois, on a déjà un connasse extraordinaire, c'est-à-dire, pour tout ce que je peux traverser. Et, pour arriver à un moment, que, l'étrangement pour trouver ben du monde, que ben du monde final caché, etc., je peux penser qu'il va déjà finir, éliminer tout ben habitant qui est dans la terre. Je peux tirer pour flèche dans le ciel. Et, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il peut faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire bouffon avec je. Allah ta'ala pourrait tout je flèche avec 10 ans. Alors, je vous pensais à ce que Jacques Mohan nous poutuit, va dire, ben, habitant dans les ciels, à ce terre. C'est-à-dire, un placement, c'est qui constait, nous connaissons la physique, va dire, qui constait, il n'a pas arrivé au premier échelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala pourrait tout je flèche avec 10 ans. Après ça, nous disions là qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait avoir une narof. Narof, c'est avec moi un lever, un petit lever, qui donne le jeu qui coule, il vous mange, et il y a mon tourna, qu'un option wahida, je vous montre comment un seul nafs. Maintenant, Baraz, Gog et Magog. Donc, qu'est-ce qui était ça? Première affaire, ça est dans Rimul Ghaib. Deuxième, Shubuhad, qui est là, ça veut dire, ben, but, qui m'a dit, vous mettez. Beaucoup de monde dit, soi-disant, ça, c'est muraille de Chine. D'après texte même, il n'y a pas muraille de Chine. Ça, premier. Deuxième, ben, savoir, une tiers l'attention contre ça, Shubuhad-là. Troisième, nous connaissons qui, Dhul Qarnayn, il fait un voyage vers l'ouest. Après ça, il fait un voyage, quoi, ça? Vers l'est. La Chine, côté D. Vers l'est. Là, quand il joue Gog et Magog, c'est au milieu. Un voyage vers l'ouest. Un deuxième voyage vers l'est. Troisième voyage, quoi, c'était? Au milieu, pas capable, la Chine. Elle a trouvé un clair, là. Ça veut dire, il y a beaucoup de monde, ça, disant, il y a un film en photo, je branche l'internet. On a un programme petit comique, comment le dire. Maintenant que vous êtes une fille, soit disant, ça placera Gog et Magog, etc. Pays préexistait. Personne ne connaît quoi qui était. Donc, ils font partie de Rive Mouraille. Pareil, il y a déjà l'île quoi qui était, personne ne connaît dans Rive Mouraille. À ce dire, pareil pour moi, dans l'époque Rasoul Sassam. Rasoul Sassam, sur la vie, Allah Ta'ala fait sciemment la vie. Allah Ta'ala fait sciemment la vie, Rasoul Sassam, qui fait. Parce que sur l'armée, ils comparent. Et là, comment dire, tout ça, les rafles réunies dans l'armée, dans son sens, exceptionnel, là. Ça veut dire, dans sa matin-là, nous pouvons gagner ça, l'époque qui est dans le sens, et l'autre époque pareil. Ça, les rafles finies, ils commençaient, ils complétaient dans l'armée, dans son sens, là. Quand il veut dire, ça, les rafles complétaient, à ce terme, ça, les rafles complétaient dans tout l'aspect, je pense, même dans le thème, c'est Kriyama. Dans l'époque, dans son sens, tu as sa rabat, tu trouves barrage, gog, mango. Je suis fini, quand je suis fini, je suis fini entre moi et le voyage, mais ça n'aurait rien, pas qu'on est coquet. Je suis dit, Rasoul Sosan, nous finis trouve une place, je finis décrire une place là à Rasoul Sosan, de telle manière, Rasoul Sosan, je ne fais pas de la aide à vous, Rasoul Sosan, tous les games, Baraz Goumando. Donc ça, je finis pose concernant ça, Shubuhat là. Maintenant, quand nous faisons Ashraf du Sahara, nous finis dire qui, pour un, nous divise en trois parties, un parti, il fait cause concernant Tawhid, Kalima la ilaha illallah. Deuxième, il fait cause concernant Sharia, ça veut dire la loi. Et troisième, il cause concernant Qiyama. Qiyama, ça veut dire qu'il commence à partir ben 5 Qiyama, il vient même Sakrat, Barzakh, Zoukayamat, 50 000 balles années, l'Ibrahimine, paradis avec l'enfer. Tout ça là, c'est un tiers pour un. Zodi, qui nous parle de Zodi là, sa relation qui est là entre Kalima la ilaha illallah, et sa 10 grands signes qui nous font faire là. Ça veut dire ce qu'on appelle Ashratu Sa'a al-Kubra.
Là, tu as une pensée, une prière. Qui est la chose qui est là? Donc, première petite chose. Kalima la ilaha illallah. Qu'était ça? Le toi, j'ai dit, n'a pas encore un bon diable à la tala. So, même, elle l'autre nom, elle se nie pour lui. N'a pas dit kalima tawhid. Elle me dit tawhid. Elle l'autre nom pour lui. C'est une appel iman. Mais elle l'autre nom en gros, par exemple, sharira. Par exemple, il y a dans Rakhidia, quand le corbeau savant finit d'écrire, il dit sunnah. Ça veut dire que c'est Kalima la ilaha illallah. Mais pas sa sunna qui nous connaît dans le fiqh là. Ça veut dire, même terminologie là, dans chaque filière qu'on finit sa vie, ce signification, lui, différent. Ça veut dire, il y a là un djimouni, vous bien connaissez même quelque chose là. Un musulman, il vous bien connaissez quelque chose là. Et par exemple, il y a beaucoup de livres qui écrivent, par exemple, Sharh sunna. Sharh veut dire explication sunna. Explication sunna. Explication sunna, il y a des causes dans le fiqh, ouazou, namaz, etc. Qui mettent sunna qui n'a rien. Il y a des causes concernant Rakhida. Maintenant, nous, l'existence sur la terre, c'est à cause kalima la ilaha illallah. Allah Ta'ala fin envoyer 124 000 prophètes à cause kalima la ilaha illallah. Allah Ta'ala fin descendre 313 livres à cause kalima la ilaha illallah. Tout ben jihad qui fin descendre dans l'histoire à cause kalima la ilaha illallah. Destruction ben peuple à cause kalima la ilaha. Donc aujourd'hui, nous voyons un petit peu. Maintenant, à cause qu'il y a la ilaha illallah, Allah a classifié Ben Jimoun, fin de jeu d'un type. On a dit dans la Qida. C'est-à-dire qu'il y a un type qui a la classifié avec Ben Jimoun, Moukmin, un Jimoun qui a l'iman. C'est-à-dire c'est un Jimoun qui croit dans Kalima la ilaha illallah, il pratique. Kafir, un Jimoun qui rejette Kalima la ilaha illallah, qui ne pratique. Mushrik, un Jimoun qui met un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité. C'est-à-dire tout ça, même terminologie là, il développe à partir de Kalima la ilaha illallah. Un munafik, c'est un djimoun qui, quand tu fais quelque chose, tu veux lui paraître un musulman, c'est-à-dire externe, à l'intérieur de lui, c'est un djimoun qui est là, c'est un kafir. Lui, il connaît un kafir, mais c'est moi, pour lui gagner, ben gagner matériel. Donc, aujourd'hui, nous guettons par rapport à sa 10 prières. Première petite chose, nous disons qu'avant d'être sorti, ça veut dire, normalement, un djimoun, lui, dans un lequel un djimoun, il est capable d'avoir un iman. Concernant Nifak. Ben, ça va, je classe Nifak en deux catégories. Il y en a un qui nous appelle Tipti Nifak. Tipti Nifak, il diminue l'iman, il n'est pas crasse l'iman. Tipti Nifak, il diminue l'iman, il n'est pas crasse l'iman. Il commence à garder l'iman, c'est moi. Il diminue ce valet d'un djimoun sur l'équerre. Qui veut dire Tipti Nifak? Par exemple, un djimoun, il cause menti. Par exemple, Rasoul Sassan, dans le hadith, un djimoun, il est capable, il commet l'adultère, un moukmin. Il fait rien, il commet l'adultère. Un moukmin, il est capable d'arriver fin coquin, attention. Mais seulement un moukmin, il n'est pas cause mentir. Parce qu'il fait, là, il rentre dans, quand il cause coquin, quand il cause l'adultère, ils font partie de kaba et revenu. Ça veut dire, un grand péché, un gros péché. Mais quand il fait cause concernant l'ifak, là, il commence à rentrer dans le couple, il rentre dans l'autre niveau, là, il bouge dans l'autre niveau, là. Mais c'est maintenant un niveau qui part, qui, il dit, commence à diminuer imana, il n'est pas crasé imana. Mais là, un autre niveau, il commence à dire, on croise l'iman, il garde l'iman. Donc, c'est un premier niveau-là qui va être caractéristique, ça. Alors, sous 60, par exemple, un djimouni cause menti. Par exemple, un djimouni, il promet de toi, il pas tini, so, promesse. Un djimouni, tu as fini de donner quelque chose, un amanat, tu as confié un amanat, ça veut dire, il trahit sa amanat. Ça, donc, il y a, c'est bien une caractéristique, un mounafi. Et ça, il est capable d'un lequel, il est capable d'un iman, il est capable de mélanger avec sa iman. Ça, il peut commencer à garder l'iman. C'est-à-dire que là, il commence à prendre ni prend un simé vers Nifak, et s'il n'y pas prend précaution d'arriver, ça pour gâter lui, pour arriver. Ultimately, il pour arriver dans sa grand niveau Nifak là. Nous rentrons dans le grand niveau Nifak là. Qui définition Mounafik? Beaucoup du monde erreur que je vais faire, je traduis Mounafik comme Velouachay, et ça a une double face ça. Double face, il y a un Kaba et Rodenoub, il n'y a pas un Mounafik, fais attention. Double face, il y a un grand péché, mais seulement il n'y a pas un Mounafik. Un mounafik qui était, c'est un djinn quand tu veux guette lui, tu veux trop lui paraître comme un musulman, et te considérer comme un musulman, tu appliques ben la loi musulmane dans lui. Mais c'est pas un djinn là, lui-même lui, il déguise en la peau musulman, mais c'est pas à l'intérieur de lui, il n'est pas un musulman. Plus grand exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans Madina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans Madina, c'est un Abdullah ibn Ubay. Ça veut dire, lui, Abdullah ibn Ubay, lui, le petit chef, des tribus arabes qui se fait contrôler Madina. Ça veut dire, Ous avec Khazraj. Et ben, là, je finis par promettre Abdullah ibn Ubay pour venir les rois. Mais seulement, ben, là, je finis par mettre un jour qui, je peux faire une cérémonie, je peux faire une grande fête dans Madina. Après, je peux mettre sur couronne, je peux appeler les rois. Ça veut dire, à partir de ça,
jour qui j'ai décidé là, mais pour assumer sa fonction. En intervalle intermédiaire, c'est-à-dire prendre des petits manières de promettre, pour arriver à ce jour qui j'ai fini dire là, Rasul Salam wa Damadina. Quand Rasul Salam wa Damadina, du monde peut musulman qui est enflammé. Voilà, on a arrêté pour ça. Ça me pouvait pas dire fatigué à l'intérieur. Pour lui, comment dire, Rasul Salam, coca sur mon solide, sur le roi sur mon aussi. Alors, qui arrivait? Commencement, il finit rebelle contre Rasul Salam. Ça n'est pas fini capable. Ça veut dire, plus beaucoup du monde, sa vague conversion à l'islam, là, il n'est pas fini capable de rebeller. Hein. Deuxième master, après la guerre bad. Ça veut dire, là, Rasul Salam, comment dire, à partir de la guerre bad, l'islam, il vient, comment dire, une armée qu'il faut dans l'Arabie. Un powerful army. Mais fini qu'on est arrivé à ce pas pour la guerre contre Rasul Salam. Il va pour la guerre frontale. Qui ne finit pas là, il finit accepter l'islam. Qui fait inaccepter l'islam, vous détruire l'islam. When you can't beat them, join them. C'est une grande stratégie qu'il finit faire. Ça veut dire qu'il finit faire une grande dans les guerres d'islam, qui vous fait pour aller détruire l'islam. Et, la même quand il poumo, Allah Ta'ala vous dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur du Coran, istaghfir lahum, ou la testaghfir lahum, in testaghfir lahum, 70 marratan, لن يغفر الله لكم على على بيتي ابي رسول الله كي شاد ديمان باودو بوزو تو با ديمان باودو بوزو نين ديمان باوزو بوزو 70 فوا الله تعالى باكو بودي جو ادا موشن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار سيتما بين منافق جو بين كي سيدا لانفير ان بين سي كي نابيل داروكات بين لي تاع سوسو ديني لي تاع اون بالا لا لي غرو بينيشون لا او بين منافق كي فير ان كافير دي جرايم كافير دو بتروبلي بدون سان راك نعمل يفين غاد على الانتيا دونك افون دجال بيني qui peut arriver, l'utiliser à 10 mounes, pour classer en deux catégories. Tu vois, pour une qualité moukmine qui, sur lesquelles, il commence à mélanger, à gâter avec Nifak. Ça veut dire que vous gagnez une autre qualité moukmine. Même à ce là, comment je dis, il y a toute qualité. Nous, par contre, dans lesquelles, il y a 10 mounes qui est là. Mais c'est en général, là, là, comme ça. Même dans l'époque, on s'en a mis comme ça. Mais c'est moi, avant d'être qui a dit, finir, nous, tu prends deux qualités du mounes. 10 mounes pour classer. C'est-à-dire, pour finir, distinguer. 10 mounes pour finir distinctif. C'est-à-dire, un moukmine. Qui est khalis, qui veut dire qui peine du tout ça ni fakra de ce l'équerre. L'autre côté, tu peux avoir ça, soit mon Afrique, qui, lui peine du tout, il manque de ce l'équerre. Après ça, tu peux avoir des ben café, si ben bouchique, etc. Donc ça, premier, leçon qui nous finit tirer. Ça veut dire, tu peux avoir un iman khalis. Deuxième master. Nous guettons sa fonction, nous guettons sa fonction kalimala. Ça veut dire, un ami, ça, kalimala, il a halal, il bien fonctionné de ce l'équerre. Deuxième master, je dis avant d'être venu, je dis trois ans avant la terre pour ramasser une tiers provision, les ciels pour ramasser une tiers provision, deux ans avant la terre ramasse des tiers provisions, les ciels ramassent des tiers. Ce délai paraît trois ans, à un an avant, sorry. La terre ramasse tout provision, les ciels ramassent tout provision. Ça veut dire, un moukmin avec qui il peut vivre? Avec qui il peut vivre? Avec Kalima la ilaha illallah. C'est-à-dire, Kalimala, il a, là, nous trouvons sa fonction, là, sa fonction, iman, là. Et là, comment la valeur, sa Kalimala, il a, qui a été faux, qui a été puissant, il était ça. Qui ça, il pour remplacer son manger, il pour remplacer son bord, parce qu'il n'y a pas un jour, des jours, nous fait causer, nous pendant un an. Ça veut dire, en même temps, là, ce matin-là, peut proposer pour, al-Afond d'Adjab. Troisième. Tu te causes concernant la guerre Malhamam. Tu sais, comme on a prouvé à Constantinople, juste avec ta ville. Ça veut dire, longtemps, tu n'as pas dit, ben, l'endroit qui, et la belle miraille qui bosse avec l'endroit là net. Zis avec Takbir, avec Kalimala, il a l'air que je peux crier qu'il y avait sa belle miraille là pour tomber. Ça veut dire d'une façon pas pour vous en la guerre, pas pour vous, pas pour sauver, je parlais. Ça veut dire, montre-nous la fausse Takbir là. Dans Jihad. Ça, troisième. Quatrième. L'utiliser, la guerre Malhama. L'utiliser quand la guerre a fini, Rosh Hashanah, pour avoir, fini, qui prend à 10 éclairer, Rosh Hashanah, je comprends beaucoup de jetons. Mokun, je, non, je ne crois pas, Mokun, je coulais, je cheval, etc. Ça vient du moulin, avec sa l'homme qui peut suivre pas derrière là, Allah Ta'ala vous donne un cadeau. Qui cadeau qui Allah Subhanahu wa Ta'ala vous donne, c'est qui, jusqu'à ce mot, aucun fitna n'a pas pour capable de se. Aucun fitna n'a pas pour capable de se jusqu'à ce mot. Ça vient un cadeau extraordinaire, ça. C'est un dimoulin protégé comme ça, comme j'ai une garantie, paradis. Et, qui fait, parce que je finis, réalise, je finis, met Kalima la ilaha illallah en pratique, on va aller dans la vie. C'est-à-dire, quand je finis la guerre, qui je finis faire? Je sacrifie, je nafs, pour Allah, la ilaha illallah, je sacrifie, je tristesse,
Ou kalima la ilaha illallah, peut-être une certification de famille. Ou kalima la ilaha illallah. Ça, quatrième. Cinquième. Nous disons que Rasoul Sam dit tout ce qui paraît dans l'homme Risa alayhi salam, ma'foun an. Allah ta'ala, pour pardonner sa l'homme là. Et nous disons qu'il y a encore plusieurs l'homme qui ressortent ainsi dans le hadith. Ça veut dire, maintenant, je pareil, c'est je fais pratique kalima la ilaha illallah. Sixième. Qui vous protège un démon contre Dajjal? Qui vous protège un démon contre Dajjal? Première petite chose, première protection, c'est l'iman. Première affaire, c'est que ça kalima la ilaha illallah, d'aller qu'il y a un démon. Si ça fait, définitivement, qui va arriver, ça veut dire, il peut tomber dans Gaze Dajjal. Maintenant, quand nous gagnons fitna. Fitna, ça veut dire, ben, test, ben, épreuve dans la vie d'un djinn. Ben, ça va, je classe fitna en deux catégories. Premier, ce qu'on appelle fitna de shubuhat, ça veut dire, ben, désir. Exemple, un djinn, tu parles, il y a une faiblesse, il commet l'adultère, etc. Le délai, tu parles, il fumait, etc. Maintenant, ça va appeler ça fitna de shahawal. Deuxième catégorie fitna. Et maintenant, fitna de shubuhat. Shubuhat, ça veut dire, tu vois, il commence à y avoir confusion dans le dîme. Ça veut dire, il n'y a pas plaisir, il n'y a pas connaître exactement qui il peut faire, qui il peut pratiquer. Donc, Dajjal, quand il peut venir voir tout qui a été choubouhad, tout ben shahawad, ça veut dire tout qui a été doute, confusion, il peut amener doute dans djoun sur iman, confusion dans rime, dans knowledge, dans, il peut amener fitna, ça veut dire il peut braquer djoun avec l'argent, avec madame, avec les enfants, avec dunya, avec pouvoir, en bref, dans toute façon qui lui pensait, il peut venir. Ça veut dire, qui quelque chose qui peut capable prendre, première quelque chose qui, pour capable combattre ça, son antidote, premier antidote, c'est qu'un djimoun, il vient renforcer son iman. Sa kalima, la ilaha illallah. Deuxième, dans le hadith contre Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui mémorise 10 premiers versets dans Surah Kahf. Ça veut dire, il peut, alors, on a commencé, Surah, il commence, ça veut dire, protection contre fitna même. Du point, ça va être histoire belle. Ben Zénès qui est une sauvée pour protège je iman, je fin sauvé, et là qui, les rois se levaient, ça veut dire, il y a caste, il y a tout, il y a richesse. Mais c'est un qui tue, qui fait, zis pour protéger ça, iman. Donc, il y a ça. Nous, il y a dans Namaz. Dans Namaz, nous, il y a plusieurs bendois qui recommandaient. Parmi les bendois qui recommandaient, Allahumma imi a'udhu bika min adhabi jahannam. Oh Allah, on peut demander ta protection contre l'enfer. Ou min adab al qabr et contre punition kabar ou min sharri fitnat al masih al dajjal et contre bentes masih al dajjal cela est d'agri qui s'appelle Taurus quand je vais vivre quand je vais vivre quelque chose au fin d'amas si ce gars au panier ça doit venir ben les autres doigts mais il fallait réfléchir en amas à cause de l'importance ça doit là il y a beaucoup ben savants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait savant de dire que je t'explique ça doit là, de dire comme ça, quand Rasoul tu veux faire plusieurs qualités de doigts, il permet de faire plusieurs qualités de doigts, mais une explication là-dedans, ben à dire comme ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux savoir les jeux de doigts là, parce que ça doit là, il y a une jamia. Il y a un doigt qui complète. Ça, donc, il y a une personne aussi. Il y a un doigt qui complète, et c'est un doigt qui lui protège nous contre tout ben fitna. Ça veut dire que, si il y a dit ça, c'est une sacrée, il peut faire un amas. Libé d'iman Allah ta'ala ou Allah protège moi contre Dajjal. Le tamaz ou Allah protège moi contre Dajjal. Le tamaz ou Allah protège moi contre Dajjal. Eventually, ultimately, quand Dajjal va arriver, si arrivé, Jumna, Dajjal paraît devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, libou protège sa Jumna. Septième aspect. Allah ta'ala mentionne dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Alors, t'as dit, moi, si ben, habitant de la ville, je tiens l'iman, et je tiens la taqwa, Allah, t'as là, tu peux ouvrir, barakat, la terre, et barakat, les ciels. Ça veut dire que t'es le premier iman. Ça, il montre, nous, l'importance iman. Pour nous gagner prospérité, le la terre même, faudrait qu'il y ait du monde, il y a iman. Le place encore, Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Nous fin, détruire, je, à cause, je, de la péché. Quand Isa, alayhi salam, il peut venir. Il faut une réforme extraordinaire. C'est-à-dire quand il finit fini, fini, quand il finit puis Dajjal, quand il finit fini, Allah Ta'ala pour demander à Allah Ta'ala doit, Allah Ta'ala pour avec doit, Allah Subhanahu wa Ta'ala qui vous fait Allah Ta'ala pour détruire Gog, Ya'juj ou Ma'juj. Et là, nous avons une extraordinaire. Nous retrouvons ça iman là. C'est-à-dire l'importance doit. Quand un djinn, premier, il y a la ilaha illallah. Deuxième, il est connecté avec Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qu'il y ait pas doit.
Qu'arrivait? Quelque chose d'impossible, vite possible. Quelque chose possible, vite impossible. Et pareil, comment Allah Ta'ala t'y détruira? Abraha, avec été, avec Ababil, un petit oiseau. Allah Subhanahu wa Ta'ala t'y détruira, Ibrahim Azam, ce peuple avec été, avec moustique. Pareil, comme ça, Allah Ta'ala, pour Doha, il s'arrête les sangs, quand il vous demande Doha, Allah Ta'ala t'arrive Narof. Narof qui était, comme je l'ai mentionné, c'est bien, un petit élevé, mais c'est pas une détresse à maintenant net. Donc, Kalima la ilaha illallah, iman, mira, réforme individuelle, ça veut dire individu son caractère, son manière, son sincérité, ce qu'est-ce qu'il y a de neuf, son purification interne, son purification de l'équerre, son purification l'esprit. Kalima la ilaha illallah, il y en a réforme de la société, il y en a sur l'aspect social, il y en a sur l'aspect économique, il y en a sur l'aspect éducatif, il y en a sur l'aspect politique, bref, dans tout l'aspect qu'il y a. Et quand j'ai un caractère individu, Kalima la ilaha illallah, il vous fait goûter à la haine. Dans l'équerre, un djimoun, métier à détester, c'est-à-dire l'idée goûte son frère, il n'a rancune, jalousie, il fait un plan machiavélique contre son frère, il fait plan, tous les jours, il fait plan, comment il est capable de faire tito son frère, l'ennemi, l'orgogo, etc. Tout ça là. Donc après Issa alayhi salam, il va arriver là, le bon intérêt. Il dit qu'il faire jihad contre tout, il dit les poutouilles ben pauvres, les poutras, la croix, les pour abolir, jizya. C'est-à-dire qu'il pourrait là, nous pouvons avoir une seule religion. Nous pouvons avoir 10 ben musulmans. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons avoir ben du monde vers l'islam. Soit, pas pour avoir 10 comme on a pu le mentionner. Soit, du monde a accepté l'islam, soit pour avoir la guerre, comme on dit. Et finalement, là. Quand les films finissent faire, c'est-à-dire qu'on a une série dit. Quand on dit une série ben fond d'Irak qui peut déclencher. C'est-à-dire, tout ça, même pays qu'ils ont dû trouver. Là, ils vont nous comprendre une affaire. Ce qu'ils nous appellent, géopolitique. Je dis que nous, l'État nous pouvons le monde, nous trouvons des Indiens, musulmans avec persécution, Burma, musulmans avec persécution, l'Inde, je fais crasse Mazi, etc. Ben, après, dans la sécurité, on m'a dit. Là, dans Ramadan, nous trouvons dans Palestine. Bref, nous trouvons ça, on va dire, on est champigné, on tient le monde. Nous trouvons ça en Iran, il y a du monde qui mot à cause d'islamophobie. C'est-à-dire, on n'a pas contre l'islam. Il y a place, il m'a mis un coup de couteau. Donc, nous trouvons ça, il peut champignonner entier le monde. Mais c'est pas ça, landscape là, il peut changer. Par devant, il n'est pas pour continuer à empirer. Par arriver à n'y avoir une foule comme ça. C'est-à-dire, nous disons, l'islam, il y a ben curve, il y a ben haut, il y a ben bas. Là, quand on dit, dans un pli bas qui est dans les bouts, virer les bouts montés là. C'est-à-dire, quand, Rick Sarah les salam, les bouts vini. Et là, qui va arriver, nous vous trouvons que la terre, les bouts rendent une barakat extraordinaire. Qui, jamais fut mentionné comme ça auparavant. Nous voyons un coup qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire. Donc, dans un hadith authentique, authentifié par dans Sahih al-Jami'a, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les bouvini. Quand les bouvini, les bou les rois, un gouverneur qui juste pour ça au matelas. Donc, les bou casse à quoi, les bou tuer ben pauvre, les bou abolir, dizia. Et, ça à l'époque-là, ben, du monde, je n'ai pas besoin de faire belles efforts pour je gagne un mouton ou bien un sambo. Qui veut dire ça? C'est-à-dire, pour nous acheter un mouton ou bien nous acheter un sambo, du monde, pas besoin de faire belles efforts. Ça veut dire, on a l'abondance de richesse. Tant que nous sommes déjà là. Ça veut dire, là, qui n'a rêvé là? À cause qu'Alimala, il a haïlallah, il n'est pas partout. Allah Ta'ala vous donne l'eau de la terre pour tirer sur barakat. Allah Ta'ala vous donne l'eau du ciel pour David sur Barakat. Lorsque ça ressemble comme ça, l'ennemi et détestation, la haine qu'on se fait pour enlever le lac. Allah Ta'ala pour enlever le sang de la terre. Qui fait Allah Ta'ala enlever le sang de la terre? À cause d'Iman, à cause Kalima, la ilaha illallah. Tant qu'il dit ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit tout ben animaux venimeux, je ben vénère pour Allah Ta'ala pour tirer ça dans sa ben animaux-là. À tel point qui un enfant, il peut prendre son armée, il peut mettre dans l'armée, dans la bouche, un serpent. Serpent n'a pas pour mourir, papa, pas pour faire un gros serpent. Parce qu'il fait barakat, qu'il a dans sa époque-là. Et, un enfant, il n'a pas fait un dido, un lion. Il n'a pas connu les péchés. Mais c'est moi qui vais arriver, lion là, pas pour faire lui, non, rien. Ben, les loups, je peux accompagner ben mouton, pareil comme on a ben les chiens qui accompagnent ben troupeau, etc. Donc, le bon incitant, sa barakata, l'effet de sa barakata là. Et la terre pour remplir avec la paix, avec la justice. À tel point qu'il y a l'unité. Et je ne pas pour ado, PSE.
apporte Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Je parle d'une personne apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on est bien à la guerre, c'est-à-dire c'est la guerre comme le film aujourd'hui, elle est finie, et l'autorité ou prix dans la main Quraysh. Ça veut dire, à partir de l'époque de Risa al Islam qui vient là, ça veut dire dans le Goubet, pendant plusieurs centaines d'années, nous tiennons pour la Farah Sidine, Ben Arab, Quraysh, nous gagnons Umayyad, tout sorti depuis Quraysh, nous finis, nous gagnons Abbasid, tout sorti depuis Quraysh même. Donc nous vous trouvez pendant plusieurs centaines d'années. Alors, c'est comme ça, l'autorité vous prend depuis Quraysh. Ça veut dire qu'on a les autres gouverneurs qui, pas pour des vivants, Arab depuis Quraysh. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je comprends, la terre, les pour purifier d'être, les pour venir comme un récipient hors leurs ans. Et, à la table de l'autre, les pour tirer tout ce ben, barakat, pareil comme la terre, les petits pur. Quand première fois, Adam alayhi salam, fin descend l'eau, la terre. Et, on a un groupe du monde qui, je trouve, entoure un gras raisin. Ça grave présent, il poursuivit pour plaire tout ça, je vous n'en sais pas, un groupe du monde. Mais c'est aujourd'hui, comment je dis, comment je viens de te donner, je me donne l'idée des années de devenir grave présent, je ne vois pas au plein. Mais c'est moi, comment c'était Baraka qui est dans sa manger là. Alors ça me dit encore, pour un groupe du monde qui se trouve, regroupé autour d'une grenade. Ça veut dire, il poursuivit un grenade, un groupe, suffit pour un groupe du monde manger pour plein, je crois. Quand c'était Baraka, aujourd'hui, quand on me dit, comment, hey, nous connaissons déjà un produit qui va dans le film était là, ben, sur le genre, comment dire, ben, manger là, il perd du goût, etc., ben, pesticides, etc. Mais, ça a été là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, qui, ben, bœuf, ben, cheval, je pouvais tel que le prix. Quelques, dirhams. Quelques dirhams, ça veut dire quelques pièces. Alors, en fait, de toute façon, ça qui chose, il y a des affaires. Aujourd'hui, de nos jours, c'est même quelque chose qui sert. Nous prenons, par exemple, Kurbani. Un djoun dit, c'est un bœuf. Aujourd'hui, là, un bœuf là où 100 000. Ça veut dire qu'il peut y avoir des flashons. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des flashons. Tous les années, il nous propose, hey, prix peut monter. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. Un musulman, il vient d'avoir des sports. Il est optimiste tous les temps. C'est qui, pas devant, pas pour y avoir des flashons. Pour y avoir des flashons, pas devant. C'est-à-dire tout le monde qui chose pourrait retourner. Bon, mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont monter, 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 monter. Il peut arriver, mais ça va pas arriver un pic. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour à tel point, qui, quand un djimoun, il vous prend la graine, il vous est 10 le rose, ça veut dire, quand c'est baraka qui venait là, il vous pousse. Et, un djimoun, il vous passe côté un lion, ou soit un lélu, ben là, pas vous faire rien. Si arrivé un djimoun, pas erré, il arrive, il morce le un serpent, serpent là, pas vous faire rien. Ça veut dire, tout ça met un mauvais caractère qui n'a pas l'équipe là, tout va être la terre. Une vie comme un rossin qui mentionné, ça veut dire, un récipient, oh, l'argent, qui une clé net, ça veut dire, la terre là, il propre. Pareil, ben, d'une autre déguerre, fin pur. Ça veut dire ce qu'on appelle Kalbun Salim. Et sa purification, légale, c'est qu'était ça? C'est pas iman, pas kalima, la ilaha illallah, nous devons aller à la doigt, qu'Allah fallait mettre compréhension dans le déguerre. Subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, wa bihamdi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.